You too crazy nigga. You better stop now. You better stop. Salut tout le monde, aujourd'hui la vidéo qui est une vidéo plutôt spéciale parce que c'est pas du tout le style de vidéo que je fais d'habitude. Bon, ça va rester quand même un peu dans le contexte des fringues et de la mode etc. Puisque ça va être une vidéo où en fait je vais tout simplement vider mon dressing, donc ce qu'il y a là et ce qu'il y a dans mon armoire. Du coup le but de cette vidéo ça va être qu'en fait je vais tout simplement faire le tri dans mes fringues, étant donné que j'ai quand même pas mal de vêtements et qu'en fait j'en mets que la moitié en fait. J'en suis consciente, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un tri ensemble et qu'ensuite je vais vous vendre mes vêtements sur l'application United Wardrobe. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette application, l'application ne sait pas que je fais cette vidéo. Bref, voilà, j'ai pas à me justifier mais je préfère quand même le faire. Du coup voilà, j'espère quand même que ça sera intéressant pour vous. Au pire je pense que tu n'auras pas la vidéo. Donc écoutez, c'est parti. Donc du coup là j'ai rassemblé tous les fringues qu'il y avait dans mon armoire et dans mon meuble avec les carreaux sur mon lit. Du coup il y a ça derrière et ça sur le côté. Donc là j'ai tout ce qui est pantalon, short jupe, quelques pulls, des blouses, des t-shirts et encore des pantalons. Je suis pas la pro des conseils, mais ce que je peux vous dire, si jamais ça peut vous aider, et moi du coup ce qui m'aide, réussir à être objective, et même s'il y a des trucs qu'on trouve beaux, machin, mais qu'en fait on a vraiment jamais mis, c'est pas demain que vous allez commencer à les mettre parce que ça fait 10 ans que c'est dans votre armoire. Du coup voilà, faut vraiment être objectif et voilà, vraiment penser à ce que vraiment vous mettez. Super conseil, merci Emma. Bon, let's go. Bon, c'est parti. Bon là on verra pas du tout, je vous montrerai après tout ce qu'il y a sur mon lit. Mais du coup là c'est bon, j'ai pu trier et faire une partie je donne parce que bah, je peux pas trop les vendre, il y a un peu des petits défauts et tout. Une autre partie je vends et une autre partie je demande à ma maman si elle veut ça. Bon du coup là c'est un peu le bordel, mais du coup tout ça je garde, tout ça je vends ou je donne. Et après ça c'est pour voir si ma mère elle veut ça ou pas. Bon bah là j'ai plus qu'à tout remettre dans mon armoire. Là comme vous pouvez voir j'ai tout rangé dans mon armoire et dans mon truc là, comme ça qui vient de chez Ikea. Du coup maintenant je vais faire les photos de chaque habit. D'abord poser sur mon lit pour bien qu'on voie comment on rend le vêtement comme ça. Et ensuite je ferai des photos dans mes miroirs avec les vêtements portés sur moi parce que je trouve que c'est mieux de voir les habits portés sur soi afin de pouvoir les vendre plus facilement on va dire. En tout cas moi je vois que ça marche comme ça donc je vais continuer de procéder comme ça. Donc du coup j'ai tout ça à prendre en photo, ça va me prendre une éternité mais bon j'ai pas trop le choix. Bref du coup c'est parti, étape numéro 4, faire des photos. C'est bon, j'ai enfin fini de faire toutes les photos. Je me rhabille comme j'étais avant et après je poste les photos. Du coup j'ai plus qu'à tout poster sur mon profil. Du coup je vais mettre mon écran juste à côté pour que vous puissiez bien voir comment je poste
les vêtements sur l'application, bon, il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais du coup, là, donc on va donc ajouter un produit, on prend ses photos, donc voilà, ça, ça, ça et ça. Ok, c'est un pull, donc on va prendre pull, on reprend pull, la taille c'est un taille S, la couleur c'est gris, ok. Ensuite donc faut dire l'état du vêtement, donc soit s'il est neuf, soit en parfait état, soit d'occasion, donc là il est d'occasion. Le prix d'origine je l'ai payé, je sais pas, 28 euros je crois, Brandy Melville, ok. Après on peut mettre des tags, donc pour que les personnes puissent plus rapidement trouver les articles dans recherche. Ensuite après on fixe un prix de vente et après ben, c'est posté. Et voilà, c'est tout. Bon du coup désolé, c'est le énième cadre de cette vidéo, ça fait que changer, enfin je fais que bouger la caméra partout. Bref du coup c'est peut-être pas très cool pour vous, bref. Là je vous posterai quand même tous les vêtements d'ici 2-3 jours. Mais une fois que la vidéo sera postée, normalement tout sera déjà en ligne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce type de vidéo ou pas. Aussi n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Donc il y a mon Instagram que je vous mets juste ici, ainsi que mon compte 21 Buttons que je vous mets là, et du coup mon profil United Wardrobe que je vous mets juste ici. Bref du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. You too crazy nigga. You better stop now. You better stop. Let me tell you something.